Quand je regarde la politique, je me crois dans mon cabinet parce que je retrouve les mêmes ingrédients. C'est étonnant, hein? Souvent, vous voyez un couple et vous avez peut-être fait partie de ces couples où il y en a un des deux qui n'entend rien. Alors, quand au début de la relation, c'était celui qui prenait les initiatives, etc., on était content, hein, pour celui qui souhaite être protégé, d'être accompagné, d'être boosté, se dire, ah, il est créatif, ou elle est créative, elle est inventive, ou il est inventif, qu'importe. Bref, au début, tout va bien. Mais au bout d'un moment, il y a l'idée que il écoute ou elle n'écoute pas ce que l'autre dit. Et que ces choix sont le choix commun, avec cette illusion qu'il y a discussion et acceptation de ce qui se passe, que je vous ai compris, on pourrait dire, fait partie de la dynamique du couple. Alors, ce que je vois aujourd'hui, c'est la même chose. Et simplement, la femme, c'est le peuple, on pourrait dire, et l'homme, c'est Monsieur Macron. Eh bien, on retrouve cette même folie que j'ai dans le cabinet quand l'homme ou la femme qui domine s'exprime, c'est toujours avec une bonne foi, mais voyez combien je suis ouvert, comme je suis d'accord qu'on discute, etc. Oui, et in fine, on fait ce que celui qui domine a décidé. Ce qui fait que ça entraîne des humiliations des fois, mais aussi le fait d'être tétanisé parce qu'on ne comprend pas entre le langage et l'action, il y a le comportement, il y a tout ce qui se met en place qui dit je vous ai compris ou je t'ai compris, je suis avec toi, je m'ouvre, je suis réceptif et in fine, on déménagera. Voilà, c'est fini. Et on passe à autre chose. Maintenant, on a assez passé de temps avec des thérapeutes. Je crois que j'ai fait ce que tu voulais. Bien, c'est un peu la même chose que je retrouve. Et c'est qu'il y a toujours un des deux qui gouverne hein, dans ce couple-là, qui est ailleurs. Et pour lui, l'autre fait partie d'un projet vaste qu'il a. C'est-à-dire, l'autre est un objet, mais le monde dans lequel on vit est objetisé. Donc, que l'on retrouve dans le couple, dans certains couples, cette dynamique, qu'on la retrouve au sommet de l'État, tant que le vivant, l'être humain, devient un objet, eh bien, c'est celui qui a le plus grand rêve qui essaie de l'imposer. Allez, ciao!